Tu veux que je te mette? Oh, je peux te mettre le feu. Tu mets le wifi. Attends un peu. Ça, t'es revenu. Je crois que ça s'est arrêté. Les gars, je suis ma soeur Mado. Bonjour. Ça marche. Ma sister. Ma sister m'a invité à compter les bâtons de manioc. Elle m'a donné du bâton de manioc avec le pistache. Elle est mon plat. Goûte ça. Après, quand on finit, on va parler de l'action d'hier. Chez Ben Tabala. Ouais, non. Le pistache. Un bobolo. Le goût. Le goût de ça. Original. Merci. Camon Willy, merci. Non, les gens du RDPC, les Sajina qui nous disent que venez faire ça ici au Cameroun. Nous, on a tout ici, hein. Vous voyez comment ils mangent la nourriture du Cameroun sans me déplacer, non? Vous-même là qui dites que venez faire ça ici au Cameroun, vous mangez même le pistache. Il n'y a pas de pistache. Vous avez fait. Vous n'avez pas l'argent pour acheter le pistache, mais vous nous dites que venez faire ça ici au Cameroun. Au goût de ça. Vous parlez les choses des gens qui mangent trois fois par jour. Non. Comment? Je ne sais même pas. Hein. Je ne vois pas bien les gens qui sont connectés. Ah, ma soeur, ma sister. Port de l'Ouest. Bonjour, mon général Port de l'Ouest. Olivier. Viens manger, Olivier. Olivier, viens manger chez Mado. Il y a pour tout le monde. Il dit que j'ai raté. Bonjour, Ima. Ta feu. Florence Zango, bonjour ma chérie. Jérémine, regarde. C'est notre Djank ici, hein. Jérémine Pagieux. C'est notre Djank. Mon père, là. D'accord. C'est mon père. Jérémine Pagieux, c'est une Djank internationale. Donc, je ne pouvais pas rentrer. Mais là, chérie. Jérémine. Mais là, Angouapé. Tchamaka. Port de l'Ouest, c'est que tu lui envoies l'adresse, il vient manger. Port de l'Ouest. Elle t'envoie ça en inbox. Hein. Popito. C'est how. Je ne vois pas back sans venir voir ma soeur. Le goût. Je mange avec les mains. Hein. Je vais refuser de manger avec la fourchette. Port de l'Ouest, ça fait fort, il y a l'action. Le général Port de l'Ouest. Il a intimidé les gens de par où c'est Tabala là. Bien même. Non, je m'attends. Les gars, excusez-moi, je mange en parlant. Papa Mignon, cité Mignon qui en Inde te salue. Oui, notre Mignon cité. Mignon cité, notre ouais. Mignon cité. Qui le met sinon sa panne. Sérieux. Merci. Oh. Mais vu que le maire de Pichard, c'est la guerre. C'est la guerre seulement. Tu mérites de manger un plat comme ça. Tu mérites. Jérémine Pagueux dit que quoi. Bon appétit. Merci, chérie. Merci. Tu vois, ça ne montre pas le nombre de personnes connectées vraiment. Soit le live est bloqué, soit. Je ne sais pas. Tu ne vois pas. Hein? Donc ça c'est ma soeur, ma Angouapé, ma Djank. Au cap de toi. Combattante de terrain. Sûr. Une dure, pure, sûr. Hey, tentez même pas. On veut changer, ma. Change. Oui. Jadel Koulibaly. Bonsoir ma personne personnelle. Bonsoir. Oui, bâton de manioc.
On compte les mangocs. On compte les mangocs du bâton de manioc. Geneviève Marcapim, bonsoir chérie. Le bâton de manioc a ses 12 mangocs. Il a ses 12 mangocs. Moi, je mange comme une villageoise, non. Ça a un mang. Ça a le goût quand tu manges avec les mains. Tu vois, même Mado mange avec les mains. Tu manges avec les mains. C'est dans vos histoires, là. Le goût de ça. Motamo, si tu es où? Tu as vu ce que tu rates, non? Comme tu as visé de venir faire le ndokfao. Moi, je fais le ndokfao. N'est pas le nom. Mais c'est en train de le provoquer. Elle fait le nom chez nous. Waouh, elle nous aime pas bien. Hein. Jadel Koulibaly. Ma personne sûre. Le prochain rendez-vous, ce sera à Bruxelles. Hein. Le 14. Les gars, préparez-vous. On sera à Bruxelles les 13 et 14 décembre. On va faire le coup double. Il y aura les états, comment on appelle ça? Conférence? Attends. Ouais, j'ai oublié le nom. Il y aura le congrès de la basse. Au congrès de la basse mondiale à Bruxelles, le 13 et 14 décembre. Ensuite, il y aura une grande marche à l'Union, devant l'Union européenne. Donc, on va faire une grande marche à l'Union européenne. Et enfin, on va chuter au conseil de Longuet, Longuet et Uni de Paris. Donc, prenez des rendez-vous. Kamel Kodia. Mon commandant en chef, il dit bon appétit. Ah, ton frère qui te dit bon appétit. Ndip! Andi Oye, y'en coué. Mayoni, non, mayoni. Ndip, t'es vu. Ah, voilà. Tu as vu, non? Tu as aimé à Sistou. Et il a que... Sistou, s'il te plaît. Serre-moi de l'eau, s'il te plaît, chérie. Merci. Et il a que en décembre, on sera tous à Bruxelles. Pour le congrès de la basse. Elle dit toutes les basses mondiales vont se retrouver. Carlos Fobasso, c'est comment ma personne? Bisous, Carlos. Bisous, ma personne à moi. Merci, bon appétit. Merci, maman. Le mel est bon. Elle a coupé ça gros, les njim morceaux comme ça là. Les njim. Tu manges un morceau, ça te bloque le ventre. Depuis là, il fait que manger un morceau, ça finit pas. Non, ça. T'as la merde. T'as vu la mamie, je te jure. Une grosse mamie, Le 13 et 14 décembre, on est à Bruxelles pour le congrès mondial de la basse où on va prendre les résolutions pour l'année 2025. Qui arrive, l'année électorale. Donc, nous allons publier ce que la basse va faire en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes combattant et que vous reconnaissez de la basse, vous devez être le 13 et 14 décembre à Bruxelles. Parce qu'il y aura trois grands événements. Il y aura une grosse manif devant les nations, l'Union européenne. Il y aura... Dans la conférence de la basse. Et enfin, on va chuter tous au conseil de Willy de Paris et Longuet Longuet. Si tu n'es pas à Bruxelles, les 13 et 14 décembre, tu n'es nulle part ailleurs. C'est là-bas que ça se passe et nulle part ailleurs. Ce sera là-bas, toute la résistance sera là. C'est le Mami Piche. Ce sera le Hora. Le Hora du meeting. Parce que c'est là-bas qu'on va décider du sort de Paul Biya. C'est à Bruxelles qu'on va décider du sort de Paul Biya. Ouais, maman, la femme, c'est pas moi, tu avais la chope. Merci, chérie, mais je pense que tu avais fini ça.
Même comme j'ai déjà laissé le régime, mais je ne mange pas toujours beaucoup. C'est pas beaucoup. J'ai abandonné le régime, moi, j'ai trop insulté. On m'a insulté qui était devenu skinny. On m'avait insulté ici jusqu'à. Jusqu'à mon frère Sébastien Ebala dit partout que j'ai le sida. Et te jure, c'est violent, hein? C'est violent les réseaux sociaux, c'est violent. Quelqu'un qui ne te connaît ni Dada ni Dave, il se met seulement à t'insulter. Maintenant, alors que j'ai encore repris le poids, vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Pensez, bonsoir. Bonsoir, Mabi Laura, c'est comment, chérie? Merci. Maman, ma soeur a failli me tuer, je n'arrive même pas à respirer. Le maître de pistache, là. Hein? On va écraser le RDPC en 2025. C'est ça que tu dis, petit, comme ça, Jadel. Tu voulais qu'ils disent écraser? Non, j'ai alors dit écraser. Il aime quand il dit ça. Ouais. Il dit qu'il aime quand il dit écraser. Nous, on mange. On prend les forces. Mm-hmm. On va courir. Hey, je vous ai même pas dit, petit Congo, ça. Ma soeur, si elle, là voilà qui est assise, non. Vous savez qu'elle elle court beaucoup, elle fait le footing. Elle court beaucoup, non. Vous voyez souvent ses photos quand elle a dû courir les marathons, là. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Je vais la trahir maintenant, je vais la trahir. Quand je venais, elle me dit que si tout je profite, comme tu viens là, on va en forêt, non. Je dis que qui va en forêt? Qui va en forêt? On t'a dit que tu venais à Paris pour courir. Elle voulait m'amener courir. J'ai dit que non, moi je ne suis pas venu ici pour courir. On doit être prêt, on dit bien sûr. À Nicole Ngohenje. Oui, Mboye. Meiga. Ah, on travaille Meiga. Donc elle voulait m'amener dans un polo pour courir. Papa, j'ai couru derrière Ben Dabala hier, je cours avec Pobia et je viens encore courir chez toi ma soeur. L'autre là, tu as menti, elle dit que ne cours pas. Ne cours pas. Elle dit non, on ne profite pas de courir. Elle voulait me flatter. Elle dit non, on ne profite pas de courir. Elle dit, ne cours pas. J'avais apporté les baskets déjà. Hein? Ne cours pas. Elle ne suis pas venue à Paris pour courir. Mm-hmm. Ah voilà, hein? Ah voilà. Elle court beaucoup. Mm-hmm. Quand elle est sur le terrain, elle fait courir les policiers. Mm-hmm. Elle fait courir les policiers. Fabio. Les policiers, la police. Madame, revenez. On l'appelle Energizer. Energizer. Elle a les piles au corps. Quand elle est sur le terrain, elle fait courir. La bonsoir, poulain. Georgette Médon. Bonsoir. Comment tu vas? Je vous dis, ma soeur, si. Quand elle est sur le terrain, la dernière fois, boycott de grâce des cas, maman. Elle a fait courir la police ce jour-là. Oui. Madame, revenez. Elle fait que courir. J'ai vu le profil. Ouais. Georgette Médon, Nicole Ngohenje, ça se passe le 13 et le 14 décembre à Bruxelles. Il y aura les états généraux de la BASSE. Il y a le congrès de la BASSE à Bruxelles les 13 et 14 décembre. Il faut que nous tous, tous les combattants, tous les résistants, on se réunisse pour décider du sort de Paul Biya. Pour décider de ce que nous allons faire quand Paul Biya va voler. Parce qu'on sait qui va voler. Il a même déjà commencé à voler. Les voilà, et les Kama enlevé 210 000 noms dans les listes. Ils ont déjà commencé à voler. Ça va, tu as mal à la tête? Non, je veux. Ah, tu peux pas terminer? J'ai faim, mais je peux plus. Oui, c'est lourd. Hein? C'est lourd. C'est vraiment lourd. Moi, je peux pas terminer ça. Tu as mangé, tata. Le boule, là. Non, on ne la voit pas. Dans. On va se retrouver en décembre pour décider de ce que nous allons faire en tant que résistance en diaspora. Quand Paul Biya va voler, parce qu'on sait qu'il va voler. Le vol est dans l'ADN du RDPC. Il s'apprête à voler. Et il faut que nous aussi, on soit prêts à riposter. 2025 ne sera jamais comme 2018. Action-réaction. Dès qu'ils tentent, dès qu'ils essayent même de faire semblant de voler, il faut que La réaction qu'on va frapper en diaspora, qu'il soit, que ça les dissuade même. Le tout, si c'est le vrai tout, les gars. Merci, Georgette Médon. Du 13 au 14 décembre à Bruxelles, on commence avec la conférence.
on continue avec la manif et on chute au conseil de Willy de Paris et Longuet Longuet. Ah oui, merci Port de l'Ouest. 120 000 noms enlevés par Elécam. On ne va pas les laisser. Eh, Mega ou à Manke, Mega. Merci beaucoup, chérie. Et mange le Moukoun. Le Moukoun avec le Bobolo. Sydney Ava. Bonsoir. Bonsoir, les gars. Donc, c'était un petit coucou comme ça que je voulais vous faire avec ma soeur. Je suis à part chez ma soeur. Je ne pouvais pas rentrer sans lui dire un petit bonjour. Vous la connaissez, non? Quand elle vous dit souvent que le mariage basse MSC, voici alors ça ici. Le vrai mariage basse MSC. Pas ce que les Sardinans racontent là. Ils ont même ajouté Amba sur ça. Ils disent que MSC, Amba, basse. Ils ajoutent, nous on accepte. Nos enfants du Cameroun. On accepte. Ça peut nous appartenir, donc le changement. C'est clair. Donc, voilà. Quand le pays va changer, ce sera pour tout le monde. Ce ne sera pas pour une certaine catégorie de personnes. J'y étais, quand je vois l'état du pays, ah oui, c'est alarmant. Quelqu'un de normal ne peut pas être insensible. Donc, Anne-Marie Tadjé dit bon appétit, Mado. Merci, merci beaucoup. Même que j'ai bien mangé, elle a fini. Elle a fini son plat. Moi, elle n'arrive pas à finir ma part. Tu l'as fini. Depuis là, elle va te compter les mangues. Elle va te compter le mangue sur mon bâton de manioc. Elle n'arrive pas à finir. Ah, mon Dieu. Le bâton de manioc a ses 12 mangues. Il a ses 12 mangues. Le bâton de manioc a ses 12 mangues. Il a... Les enfants de la maman se sont dépassés. Mes enfants, ils sont dépassés. Mais ils savent que leur maman, c'est une combattante. Vous soutenez maman dans le combat. Super. Super. Elle parle de ça. Wow. Parents d'école. Ça. Ah, c'est bien ça. Les enfants, les parents viennent prendre leurs enfants. Elle parle. Ben oui. Sensibilise tout le monde. Ben oui, c'est bien. La souffrance du Cameroun. Les étrangers viennent. Elle parle du Cameroun. C'est une combattante. Elle fait comme maman dans sa boutique. Elle parlait à tout le monde. Maman dans sa boutique, hein, tous les clients qui entraient, elle leur parlait. J'ai une collègue, elle travaille à la mairie. Madame, tout soutien. Je comprends. Marie. Macabo de l'Ouest, André Eric, que tu parles du combat à tout le monde. Regardez, c'est un haïtien, il connaît. Ah, ça c'est bien. Tu vois ça? Mado sensibilise tout le monde autour d'elle. À salle de sport, mon collègue. J'ai eu deux personnes là déjà là, à salle de sport là. Tu as la converti. On est comme les témoins de Jéhovah, non? On m'a déjà la bonne nouvelle. C'est ça la vraie bonne nouvelle en fait. Oui, oui. Et je vais vous montrer quelque chose. Hein. Regardez ce qui est au coin de la maison de Mado. Je vais vous montrer. Regardez. Mon président. Ben oui. Vous avez vu ça? Hey. Ça, c'est la maison d'une combattante. Regardez bien. Regardez. Mon président, par ah ouais, là-bas, là. Même dans ma chambre, partout, il y a mon président là-bas, là. Ça, c'est la maison du combattant. Et là-bas, les enfants ont arraché aussi. Mm-hmm. Même dans ma chambre, mon président là-bas. Ah oui. C'est-à-dire que tu vis le combat. Tu respires le combat. Et tout ça, c'est pour vous. Hein, parce que malgré le fait que vous soyez français, vous êtes d'origine camerounaise. Et un jour, il faudra que vous alliez au Cameroun. On aimerait que quand vous partez là-bas, même si c'est pour vous balader, même si c'est pour visiter, quand vous trouvez un pays qui est agréable. Et pour le moment, c'est pas agréable. Moi, je pensais que le Cameroun, c'était agréable, mais... Vous voyez la Côte d'Ivoire, le Nigeria, je pensais qu'on était un peu Cameroun, pas du tout. Oh, non, du tout. Du tout. On se bat pour vous. Pas du tout. On se bat pour nos enfants. Il n'y a pas de route. Tout à fait. Pas d'hôpital. C'est nous sommes des mamans. Notre vie est derrière nous. C'est pour nos enfants qu'on se bat. C'est pour nos enfants. Notre racine, comme les autres, la racine. C'est une combattante. Elle respire combat. Sa maison, c'est le combat. Sa maison, la décoration, c'est le combat. Ça veut dire que le combat, là, c'est comme le femme. Là, quand tu as tes dedans, ça te coule dans le sang, c'est dans tes veines. Tu manges, vis, dors, respire, combat. C'est comme ça. J'ai mon pays plus que tout. Mmh.
Des sacrifices. Des mamans comme nous. Ouais, on a table le dimanche avec nos enfants, non? Mais quand il faut aller au combat, on laisse les enfants pas. Nos petits-enfants, regardez les deux petits-enfants, mais ils ont appris à faire sans leur maman. C'est le sacrifice. C'est un énorme sacrifice. Le pays, non. C'est un énorme sacrifice. L'intérêt, j'espère que les gens apprécient le sacrifice que nous faisons. Non, mais parce que nous ne sommes pas les gens. On a des familles. Nous avons des familles. On a des enfants. J'étais vu dans le combat, tu n'avais pas d'avis. Ah. Oh. Mais pourquoi elle court seule pour avec elle? Seule, pas à plus. C'est l'expression ultime de l'indignation. Wow. Même les Européens le font, les femmes. Vous avez Elle a vu le bobby talab là. Mm-hmm. Elle a vu ça. Oui, c'est ce qu'elle avait dit. J'étais choquée du courage parce que les noirs souvent c'est un. Mais. Tout à fait. Et là, je t'ai vu. J'ai dit, mais c'est ta femme qui est venue. C'est elle. Ouais. C'est l'expression, le dénudement de la femme est l'expression ultime de l'indignation. Oui, je sais, oui. Dans toutes les cultures, que ce soit européennes, parce que les Russes, les femelles le font. Oui, oui, oui. Et il y en a même une qui s'est déshabillée complètement. Oui. Elle est allée protester aux Nations Unies. Complètement. Et moi, j'étais choquée que tu étais seule. Mais déshabillez-vous avec elle. Mais tu étais la seule qui a eu le courage. Oh. Il y a d'autres mamans qui le font aussi. Mm-hmm. Qui le font, il y en a une qui a même fait plus que moi. Hein. Elle a carrément montré ses seins. C'est vrai. Mm-hmm. Mm-hmm. Maman Élise. Oui, oui, c'est vrai qu'elle n'a pas vu ça. Oui, oui, oui. Donc, ça s'appelle le Bobita. C'est un groupe. Ça, c'est. Bobita. Et même dans l'histoire du Cameroun, pas très longtemps, il y a de cela 30 ans, le premier vrai opposant au dictateur, qui s'appelle Paul Biya le dictateur, le premier vrai opposant, il s'appelait Frundi, il est mort. Frundi, quand l'armée de Paul Biya voulait l'arrêter, parce que Paul Biya, lui, il arrête tous ses opposants. Quand l'armée de Paul Biya voulait arrêter Frundi, ce sont les mamans de... Il a fui, il allait se réfugier dans son village, à Bamenda, qui est au nord-ouest. Et ce sont les mamans de son village, pour bloquer l'armée, qui se sont dénudées. Elles se sont mises en route. Oh, quand une maman, elle est dénudée, oui, tu vois, des grands-mères, ouais. Voilà, ils ne peuvent pas les toucher. Non, c'était une façon de protéger le leader. C'est une image de force. Ouais, et... c'est très fort. C'est une arme de combat très puissante. Même l'armée ne pouvait pas toucher le corps des mamans. Donc... Enfin, il faut l'ambassade, monsieur, quand tu as dit pourquoi il a reculé. Oui, tout à fait. Parce que dans toutes les conventions de guerre, on protège toujours les femmes et les enfants, oui, les personnes âgées. Les donc, un soldat, un policier ne peut pas brutaliser une femme qui est dénudée parce qu'elle est fragile, elle est vulnérable. Ouais. Donc, il serait une mauvaise image pour l'armée. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça que nous utilisons ça comme une arme de combat. Les gens pensent que c'est juste parce qu'on veut. Et évidemment, il y a des gens qui essaient de distordre ça, de faire croire que nous sommes des prostituées, ainsi de suite. Ils n'ont rien compris. Mais ceux qui comprennent savent que c'est une âme d'indignation très très puissante. Parce que même la police le sait. Moi, quand je l'ai vu, je disais que c'est féminin. Sauf qu'elles avaient peur sur leur corps et tout. Il est taclé. Quand j'étais seule face à tous, c'était vrai. Tu vois, ma fille pleure, ma fille Cindy, enfin, elle est émue, quoi. Parce qu'elle a vu une vidéo de moi où je faisais le Bobby Tanap. Elle est émue et j'essaie de lui expliquer le Bobby Tanap, en fait. Le Bobby Tanap, c'est une arme très, très puissante de combat. Je dis bien très puissante. Mais j'ai toujours dit, j'ai une vision. En créant le concept Bobby Tanap, j'avais une vision. Ma vision est que le Cameroun sera libéré par des femmes. Et ce sont des femmes qui vont marcher nues, torse nu, veille tout dit, qui vont libérer le Cameroun. Parce que même le billet, même l'armée la plus sauvage ne peut rien faire à une femme dénudée. Rien. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour tuer le mouvement Bobby Tanap. Ils ont infiltré le Bobby Tanap. Et quand ils ont vu, parce que nous on avait déjà installé le Bobby Tanap au Cameroun. Vous avez vu les actions Bobby Tanap. Quand ils ont vu qu'on avait implanté le Bobby Tanap au Cameroun, ils ont infiltré et ils ont essayé de tuer le mouvement. Mais moi, je dis, le Bobby Tanap, c'est un esprit. Parce que quand la femme est en colère, nos mamans, même quand nos mamans veulent maudire, elles se déshabillent. C'est un réflexe. Quand les mamans seront en colère au Cameroun, elles vont se déshabiller et elles vont marcher. Et l'armée ne pourra pas tirer sur eux.
L'armée ne pourra pas les brutaliser. Ce sont les femmes qui vont libérer le Cameroun. J'ai toujours eu cette vision-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que le combat en diaspora a tenu, parce qu'on a eu beaucoup de femmes qui sont entrées. Beaucoup de femmes qui sont entrées dans le combat, que ce soit même en non-name, comme mes copines qui sont là, les Anne-Marie, Amoni Saskia du côté de l'Allemagne, ma copine, ma soeur, les Geneviève, ma capine. Vous voyez que même nos lives, ce sont les femmes. Les femmes sont déterminées dans le combat. Les femmes sont entrées dans le combat, pieds et poings liés. Et c'est pour ça que le combat ne meurt pas. Parce que les femmes sont dedans. Les femmes sont dedans. Et quand la femme entre dans quelque chose, ça marche. Voilà, Geneviève, ma capine, elle est en Italie. Amoni Saskia, elle est en Allemagne. Je crois Anne-Marie Tchadier est en France. Maxime au Cameroun. Kamdoum, tu es mon frère. Ce nom Kamdoum, c'est dans ma famille, ça. Tu es mon frère. Brice Rasta, mon général du côté de la Belgique. Bonsoir. Non, les gars, je vais vous laisser. Hein. C'était comme ça, un petit live de causerie familiale. Son assiette n'est pas vide. Tu vois ce qu'on dit souvent à nos enfants. Quand tu sais la douche à la fin, il finit par... Tu dis que fini, ton assiette n'est pas vide. Eh, hey, mais dis maintenant comment mon assiette n'est pas... Oui, oui, ton assiette n'est pas vide. Je vais finir alors. Ah, Scott bébé Lucien, merci. Ma fille me dit qu'elle doit vider mon assiette. Comme quand ils sont petits, non, on laisse à manger. Quand ils refusent de manger, tu dois finir ça. Tu finis. Vous connaissez les mamans africaines, non? Maman, elle est sévère. C'est moi, je suis maman dure. Hein? Ah bon? Oui, oui, je suis dure. Mais maintenant, les enfants, ils sont un tout petit peu grands, donc voilà, je suis plus aussi dure qu'avant. Tu es pédagogue. Ou j'essaye. Il n'y a que le petit qui a aujourd'hui 10 ans. Mais lui, je n'ai pas besoin de trop le discipliner parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Oui, il a les grands. Il est très organisé. Oui, lui aussi, il fait comme ça. Les femmes sont trop. Ah bon, ça, c'est bien ça. Les garçons sont très disciplinés. Hein? Amoni, c'était juste une causerie. Il n'y a pas eu. Oui, c'est juste une petite. Bobby Tanap. Tanap, tu en paix à la fin? C'était juste une petite causerie comme ça en famille. Pour vous dire qu'un moment de détente en famille, non. Après le combat, c'est la détente. Hier, on a combattu. Aujourd'hui, on se repose. J'étais chez ma soeur. Elle m'a un peu reçue. Voilà. Qu'est-ce qu'on est pour de force? Voilà. La lutte continue, non? On veut le changement. Nous voulons le changement. Comme j'étais là devenu comme le criquet, maintenant il mange. Impliquons-nous. Chacun doit s'impliquer. À son niveau. À son niveau. Pour ce changement. Ah, ma sister. Ben, il y a la fin de manger. Hein. Merci beaucoup, ma soeur. Ouais, bon, on ne peut pas la forcer là. Merci, merci beaucoup, chérie. Tu vas finir si tu veux. Merci. Bah, t'as manier, mon doc. Je vous trahis, elle n'a pas fini son assiette. Ma fille me trahit qu'elle n'ait pas fini mon assiette. Non, était déjà trop mignon, donc. Était déjà trop maigre. Maintenant, il mange bien, je dose. Bien même. Non. Une dose. Attends, on va aller pour la prochaine fois. Rendez-vous les 13 et 14 décembre à Bruxelles. Pour les états généraux, la convention de la BAS. Et... une grande marche à Bruxelles pour dénoncer les tortures au Cameroun. Nous allons interpeller la Commission des droits de l'homme de l'Union européenne une fois de plus. Parce que les violations des droits de l'homme au Cameroun à travers les tortures s'accélèrent. Et il faut qu'on mette fin à ça avant 2025. Le gouvernement de Paul Biya doit arrêter de torturer les gens avant 2025.
Parce que c'est la tortue là qui fait ce que les Camerounais aient peur. On doit enlever la tortue dans l'équation du Cameroun. Et on va lutter pour ça. On va lutter pour que la tortue s'arrête. C'est ça qui est ça. La lutte ne fait que commencer, les gars. Donc, merci, merci d'avoir suivi cette petite causerie familiale. Je voulais faire un live un peu structuré en fonction de... Pour un peu vous dire ce qui s'est passé hier au restaurant de Tabala. Mais bon, après j'ai dit, puisqu'on est à table, on fait juste une petite causerie. Et comme ça, quand je vais rentrer à Londres, on va faire un live bien structuré. Maman, j'ai dosé jusqu'à mon ventre est gros. Merci, merci les filles. Bisous, je vous aime. Madoji, au revoir. Bye, au revoir. Moi, j'ai encore. Les enfants vous disent au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bye.